Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête va entendre maintenant Monsieur Jacky Coulon, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, et Madame Nina Milesi, secrétaire nationale. Monsieur, Madame, je vous remercie de votre présence. Nous entendrons lors de nos réunions ultérieures des représentants du syndicat de la magistrature et d'Union magistrat SNM-FO. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera l'objet également d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Monsieur, Madame, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire, tout d'abord, qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. On ne suivra pas forcément le questionnaire qui vous a été transmis, vu la durée de l'audition. On va plutôt partir sur des points qui nous semblent saillants, et vous et nous, que ce soit moi en tant que président, mon collègue rapporteur ou mes collègues ici présents. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, Madame, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Et vous avez la parole pour le propos liminaire. Merci, Monsieur le Président. Donc, la France compte environ 8500 magistrats de l'ordre judiciaire. Parmi ces 8500 magistrats de l'ordre judiciaire, 2200 sont adhérents de l'Union syndicale des magistrats. Aux dernières élections professionnelles, notre organisation professionnelle a recueilli 64% des voix. Cela fait évidemment de l'Union syndicale des magistrats l'organisation professionnelle de loin la plus représentative des magistrats. Les deux autres organisations professionnelles, vous allez les entendre ultérieurement, c'est le syndicat de la magistrature et FO, magistrats. Donc l'Union syndicale des magistrats se caractérise par son apolitisme. Cela ne signifie évidemment pas que l'USM s'interdit de participer au débat politique. Cela veut dire qu'elle intervient sans arrière-pensée politique et sans idéologie préconçue. L'objet même de l'Union syndicale des magistrats, et cela figure en tête de nos statuts, est d'assurer l'indépendance de la fonction judiciaire. C'est dire nous sommes là tout à fait dans le sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe nous aussi, car nous considérons que l'indépendance de... Alors, l'intitulé de votre commission est intéressante pour nous, de pouvoir judiciaire, bien évidemment, qui va bien au-delà de l'autorité judiciaire telle qu'elle s'est comprise dans la Constitution. En tout cas, l'indépendance de la fonction judiciaire est une garantie essentielle des droits et libertés des citoyens. C'est le fondement de la démocratie et je dois vous dire que nous sommes actuellement très préoccupés par ce qui se passe en Pologne. Sur ce plan-là, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, eh bien, je laisse la parole à Madame Milesi qui va vous donner notre propos liminaire avant que nous répondions à vos questions. L'indépendance de la justice est un droit constitutionnel pour les citoyens qui doivent avoir la garantie que les magistrats n'exercent leurs fonctions qu'en application de la loi et de l'intérêt général, hors de toute considération politique. Elle doit donc être protégée sur le plan institutionnel par le statut des magistrats. L'indépendance ne doit pas être confondue avec l'impartialité, qui est également une garantie essentielle de la confiance du public. L'impartialité, elle, repose sur une absence de parti pris et de préjugés du magistrat tout au long de la procédure qui le conduit à rendre une décision. Voilà. Aujourd'hui, l'indépendance de la justice est loin d'être assurée de façon totale, puisque les règles statutaires qui régissent les membres du parquet sont imparfaites, notamment s'agissant de la nomination et de la discipline. J'y reviendrai. Récemment encore, la première présidente et le procureur général de la Cour de cassation ont dû rappeler que l'indépendance de
la justice était une condition essentielle du fonctionnement de la démocratie, rappel formulé, adressé au président de la République. C'est dire que l'indépendance de la justice n'est jamais totalement acquise ni facile. Donc je vais structurer mon propos en deux parties. La première aura trait donc à la nécessaire réforme du statut des magistrats pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, et la seconde aura trait aux moyens alloués à la justice. Voilà. Nous n'avons pas fait le choix de répondre point par point aux différentes questions. Cependant, nous avons réfléchi, donc à la suite de ce propos liminaire, nous pourrons bien entendu y répondre. Donc, s'agissant du statut des magistrats, deux points, les conditions de nomination des magistrats et également la discipline des magistrats du parquet en réalité. S'agissant des conditions de nomination des magistrats, celles-ci doivent bien entendu être exemptes de toute suspicion de partialité en lien avec des affinités politiques. Donc, elles ne peuvent pas rester entre les mains du pouvoir exécutif, comme c'est le cas aujourd'hui en réalité. Donc, à titre principal, l'USM sollicite une réforme constitutionnelle afin que le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, gère la totalité des carrières des magistrats, du siège et du parquet, et puisse mener une réelle et efficace politique de gestion des ressources humaines. Puisque aujourd'hui, c'est la direction des services judiciaires, donc en réalité le ministère de la Justice, qui gère la plus grande partie des carrières des magistrats, du siège comme du parquet, évidemment avec des différences importantes. À titre subsidiaire, nous sollicitons un régime unique de désignation de tous les magistrats, du siège comme du parquet. Aujourd'hui, le principal obstacle à l'indépendance du pouvoir judiciaire réside dans le statut des magistrats du parquet, qui dépend du ministère de la Justice au niveau de leur nomination, puisque le ministre propose les nominations au CSM, qui n'émet qu'un simple avis. Ça, c'est une difficulté très importante. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait un statut unique, c'est-à-dire qu'il y ait un alignement complet des conditions de nomination des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, c'est-à-dire un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour tous les magistrats siège parquet, et également le transfert au CSM du pouvoir de proposition des candidats aux fonctions de procureurs, procureurs généraux et membres du parquet général, c'est-à-dire les postes les plus importants du parquet, pas simplement un pouvoir d'avis. Alors certes, il y a eu des avancées notables en termes d'indépendance, puisque les instructions individuelles susceptibles d'être adressées dans les dossiers particuliers a été supprimée par la loi de 2013. Et également, désormais, le CSM dispose de la communication des autres candidats pour les propositions de nomination aux postes les plus importants au parquet. Cela dit, ces réformes sont aujourd'hui insuffisantes. Et nous regrettons que l'actuel président de la République, qui avait envisagé de reprendre un certain nombre de dispositions dans la réforme constitutionnelle, pour l'instant, tout semble être arrêté. Voilà. S'agissant de la discipline des magistrats du parquet, c'est un petit peu le corollaire des conditions de nomination. Le CSM, aujourd'hui, dans sa formation du parquet, ne rend que des avis simples. Donc, le ministre de la Justice peut se dispenser de le suivre. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante. C'est le ministre qui saisit le CSM, qui requiert devant le Conseil supérieur de la magistrature et qui prend la décision. Bon. On ne peut pas considérer qu'un magistrat du parquet puisse être totalement indépendant alors que sa nomination dépend du pouvoir exécutif et que le pouvoir disciplinaire dépend totalement du pouvoir exécutif. Bon. Donc, nous sollicitons que le Conseil supérieur de la magistrature ait le même rôle pour les magistrats du siège comme pour pour les magistrats du parquet. Nous estimons également que la mutation pour nécessité de service d'un magistrat du parquet doit être supprimée. Et enfin,
nous considérons que l'article 4 de l'ordonnance statutaire des magistrats devrait être modifié de la façon suivante, c'est-à-dire que les magistrats du siège et les magistrats du ministère public soient considérés comme inamovibles, tous. Aujourd'hui, c'est seulement les magistrats du siège. Voilà, s'agissant d'une nécessaire réforme du statut, je passe désormais aux moyens de la justice, puisque pour qu'une justice soit réellement et efficacement indépendante et que cette indépendance ne soit pas que théorique, il est indispensable que la justice judiciaire ait les moyens de fonctionner décemment. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, je sais très bien que c'est un lieu commun que de dénoncer les difficultés que rencontrent les magistrats, les greffiers, les tribunaux dans leur fonctionnement aujourd'hui en raison d'un manque de moyens chronique. Certes, aujourd'hui, finalement, le budget alloué à la justice a plutôt été préservé par rapport à d'autres. Cependant, il reste au sein des grandes démocraties européennes, dans la fourchette basse. Et cette situation pose de très nombreux problèmes. Elle a été dénoncée par à peu près toutes les instances de la justice judiciaire, y compris par la Cour des comptes, alors là, on sort du judiciaire, qui a stigmatisé à plusieurs reprises de nombreuses réformes prises sans la moindre étude d'impact, sans ajustement au niveau des effectifs de la justice, ce qui la désorganise grandement. Raison pour laquelle nous demandons que toute nouvelle réforme de la justice soit précédée d'une étude d'impact réelle et sérieuse et que l'entrée en vigueur de ces réformes soit également conditionnée à l'octroi des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Aujourd'hui, ces règles ne sont absolument pas suivies, enfin, ce ne sont pas des règles d'ailleurs. Les dysfonctionnements sont donc multiples et divers. L'immobilier a tendance à une dégradation générale. J'en prends les exemples du tribunal de Bobigny, Toulon, Cayenne, Perpignan, mais ils sont bien, bien nombreux. La situation des magistrats sur le plan des effectifs s'est largement améliorée, puisque ces dernières années, il y a des recrutements massifs. Cependant, elle reste très largement sous-évaluée. Et dernier exemple assez parlant des dysfonctionnements engendrés donc, par ces moyens insuffisants, c'est les difficultés au niveau des extractions judiciaires de détenus. Au sujet duquel l'USM a publié un livre blanc, puisque actuellement, bon nombre de magistrats du siège et du parquet, tous sont concernés, la justice pénale évidemment, sont en grande difficulté pour obtenir l'extraction le jour et à l'heure qu'ils souhaitent. Voilà. Donc, indépendamment de la question de l'insuffisance des moyens, la façon dont ces moyens sont gérés pose également problème. Aujourd'hui, vous le savez, la mission de justice comprend en réalité 6 programmes. Seul un est relatif à la justice judiciaire. Et les poids financiers respectifs de ces différents programmes sont extrêmement divers. L'administration pénitentiaire bénéficie toujours prioritairement des moyens supplémentaires qui sont alloués au ministère de la Justice, ce qui constitue une vraie difficulté pour la justice judiciaire. Nous estimons que, s'agissant d'une autorité régalienne, le budget des juridictions judiciaires devrait être différencié de ceux de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire et de la jeunesse. Et nous souhaiterions donc bénéficier d'une mission distincte. Et nous considérons également qu'il ne peut pas y avoir réellement d'indépendance de la justice s'il n'y a pas d'indépendance financière de celle-ci. Et raison pour laquelle nous sollicitons que le Conseil supérieur de la magistrature puisse donner un avis sur le projet de budget avant sa présentation au Parlement. Réforme qui impliquerait bien entendu une modification des textes relatifs à la compétence et le contenu de la LOLF. Nous estimerions aussi nécessaire que le CSM bénéficie de prérogatives importantes en matière budgétaire, tant au niveau national que pour le budget de fonctionnement de chaque juridiction. Bon.
Et enfin, le CSM lui-même pourrait bénéficier d'une réforme destinée à garantir, à renforcer son indépendance budgétaire. Actuellement, il bénéficie d'un programme budgétaire spécifique au sein de la mission justice, ce qui est relativement récent, hein, c'est une réforme de 2010. C'est une avancée, mais c'est une avancée que nous jugeons insuffisante. Nous souhaiterions que le CSM soit érigé en pouvoir public, ce qui lui permettrait de fixer donc les moyens nécessaires à son fonctionnement. Et cette réforme serait, à notre sens, justifiée à plus d'un titre, parce que le CSM est une autorité constitutionnelle. C'est également une juridiction constitutionnelle en matière de discipline des magistrats. Et son autonomie se justifierait par la séparation même des pouvoirs. Voilà. Nous estimons que seul un organe réellement et totalement indépendant est à même de garantir l'indépendance de la justice. Merci pour ces propos liminaires. Moi, j'aimerais vous entendre pour une première question. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un syndicat apolitique, mais que, évidemment, vous pouviez critiquer la politique en matière de justice. D'ailleurs, le dernier discours de votre présidente Céline Parisot à l'époque, qui intitulait « Justice et dépendance », était assez politique pour le dire clairement, en tout cas remise en cause de la politique actuelle. Est-ce que vous pouvez préciser, notamment sur les aspects du projet de loi, de votre critique du projet de loi justice du dernier maintenant, qui est la loi justice de programmation, pourquoi vous avez émis ces critiques, et notamment sur il y a un article récent où vous faisiez part de lier carte judiciaire et électorale est tout simplement scandaleux suite à, vous savez, l'échange de mails du cabinet. J'aimerais vous entendre sur ces éléments. Alors effectivement, en ce qui concerne cette remarque sur une possible adéquation entre la carte électorale et la carte judiciaire, vous savez comme nous qu'il y avait eu un message qui est parti du cabinet de la ministre vers le ministère de l'Intérieur pour étudier cette question, plutôt pour demander l'intervention d'une personne spécialiste en matière électorale pour... évoquer les possibles suppressions de la fonction de juge d'instruction dans certaines juridictions, puisque c'était ça le cœur du problème. La position de l'USM en ce qui concerne l'existence ou non de juridiction, l'éventuelle suppression de juge d'instruction est la taille pertinente de la juridiction, la taille efficiente et pertinente de la juridiction. Pour nous, lorsqu'une juridiction est trop petite, pour véritablement bien fonctionner, eh bien, il ne faut pas hésiter à la supprimer, quitte à mettre éventuellement d'autres services, mais on ne peut pas fonctionner sans une taille minimale pour les juridictions. Donc dans ce cadre-là, la position qui a été adoptée par la ministre, qui était de dire « je ne veux fermer aucun site judiciaire », pour nous, certes, il faut qu'il y ait une justice de proximité, mais s'il faut fermer des sites judiciaires parce qu'ils ne sont pas justifiés, on ne peut pas en prendre en compte la couleur des élus politiques locaux, parce que ça s'est fait par le passé, hein, ne nous cachons pas la vérité. Il y a eu, à l'occasion, d'autres réformes de la carte judiciaire, certaines juridictions qui ont été sauvées en raison de la couleur politique du député ou du maire local. Nous, ce n'est pas ça le critère qui doit être retenu, évidemment, par rapport à notre apolitisme, c'est la taille efficiente de la juridiction. Donc de ce point de vue-là, nous ne sommes pas opposés à la fermeture de juridiction, mais évidemment, ce ne sont pas des considérations politiques qui doivent prendre le pas pour prendre ces décisions. Ça, c'était une critique majeure des positions qui ont été adoptées. En ce qui concerne la position de l'USM, on n'est pas forcément opposé à la suppression d'un juge d'instruction, tout au moins de la fonction, pas du juge d'instruction, de la fonction dans telle ou telle petite juridiction, car un juge d'instruction isolé qui ne traiterait qu'une quinzaine de dossiers par an n'a pas les moyens
de fonctionner de façon efficace dans la mesure où il va être happé par d'autres activités juridictionnelles. Il va faire des fonctions de juge aux affaires familiales, des audiences correctionnelles, et il a finalement très peu de temps à consacrer à l'instruction. De plus, il est isolé dans sa juridiction, puisque par hypothèse, il n'y a pas d'autres juges d'instruction, et l'expérience montre que dans ces cas-là, quand on a trop peu de dossiers, eh bien, il vaudrait mieux regrouper les juges d'instruction dans des pôles d'instruction pour permettre plus d'efficacité. La loi de programmation prévoit aussi des suppressions de postes de juges d'application des peines. Alors là, nous y sommes totalement opposés, parce que, contrairement à l'instruction, la fonction de juge d'application des peines nécessite absolument une proximité. Il s'agit de traiter des cas de personnes qui sont en situation de précarité, situation difficile, hein, des personnes qui sont en ce qu'on appelle actuellement le sursis avec mise à l'épreuve, bientôt le sursis probatoire. Ce sont des gens qui ne peuvent pas facilement se déplacer. Et si on éloigne le juge de ces personnes-là, eh bien évidemment, le suivi ne va pas être efficace. Donc les fonctions de juge d'application des peines ne doivent en aucun cas faire l'objet de suppression par rapport à cette considération. Et ça, c'est l'une des dispositions qu'on critiquait de la loi qui est devenue donc la loi de programmation. D'après ce que l'on en sait, pour l'instant, il n'y a pas de projet de suppression de fonction de juge d'application des peines dans tel ou tel tribunal. Mais c'est une possibilité qui est ouverte par la loi qui nous inquiète. Merci pour cette première réponse. D'ailleurs, je précise que le questionnaire qui vous a été envoyé par le rapporteur, si vous avez des éléments à nous communiquer après l'audition par écrit, n'hésitez surtout pas, de sorte à ce que ça puisse figurer à la fois dans nos réflexions et dans le rapport. Je vais changer un peu de sujet pour revenir sur la question statutaire. On va tomber d'accord, je pense que c'est aussi devenu un lieu commun finalement du monde judiciaire de se dire qu'il fallait évoluer sur les avis simples, avis conformes, etc., et que c'était le minimum syndical pour prendre une expression que vous pouvez partager. Sur le statutaire, il y a un point précis qui occupe ma réflexion et la réflexion de la commission, qui est la position des magistrats en administration centrale. Les MACJ, pour reprendre la dénomination, que ce soit en tant que directeur d'administration centrale ou dans des directions d'administration centrale, ou que ce soit en cabinet. Quelle est la position de votre syndicat au regard des garanties d'indépendance que doit pouvoir donner un magistrat, de se dire que dans sa carrière, il va être dans une situation de proximité avec le politique et donc avec l'exécutif, qui pourrait être de nature à faire en sorte qu'il y ait une certaine suspicion sur les garanties qu'il est censé apporter? Oui, c'est pas parce qu'au cours de sa carrière, pendant un temps donné, un magistrat va être en administration centrale que pour autant on va devoir considérer que pour la suite de sa carrière, il va devenir dépendant du pouvoir qui est en place. Certes, quand on est en administration centrale, il est justifié qu'on s'intègre dans une hiérarchie. Pour autant, lorsqu'on est en juridiction, eh bien, on doit bénéficier d'un statut différent qui garantisse, elle, absolument son indépendance. Donc, le magistrat qui est en administration centrale a actuellement un statut qui est proche de celui du parquet, hein. On parle d'ailleurs de magistrat d'administration centrale, de substitut, premier substitut dans la hiérarchie. Donc c'est un proche actuellement du parquet. Nous, ce que nous réclamons, c'est plus d'indépendance dans le statut du parquet et que les magistrats d'administration centrale, eux, aient un statut différent de ceux du parquet. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile de prévoir d'autres positions statutaire, le détachement par exemple, plutôt que d'être sur un poste en tant que magistrat en administration centrale, pour bien faire la distinction et éviter toute confusion. Pourquoi pas, comme un directeur d'administration centrale est en position de détachement, on pourrait imaginer aussi une position de détachement où un magistrat qui est comme formateur à l'ENM, eh bien c'est également une formation et c'est en situation de détachement, donc même type.
Donc ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Parce qu'on constate quand même que les passages en administration centrale sont la plupart du temps des boosts dans la carrière des magistrats concernés, à la différence de ceux qui sont en juridiction en région. Est-ce que ça appelle de votre part des remarques ? Oui, mais je ne pense pas que ça ce soit une question statutaire, quoi. Donc, il est vrai que... Alors, pas tous, hein, ça dépend où en administration centrale. Je dirais que ceux qui sont dans les cabinets ministériels sont plus probablement amenés à avoir une carrière particulière. D'autres en administration centrale ne bénéficient pas des mêmes avantages, ça c'est vrai. Raison de plus pour nous de demander à ce que la nomination des magistrats échappe au pouvoir exécutif. Si c'était le CSM qui nommait les procureurs et les procureurs généraux, eh bien assurément on n'aurait pas comme procureur de la République celui qui était conseiller du ministre dans son cabinet. Pour poursuivre le sujet, je sais qu'il y avait eu une polémique sur les, et elle existe toujours d'ailleurs, sur la décoration des magistrats. Il y en a encore une, il y a je crois 2 semaines ou 3 semaines, d'un procureur à Lyon qui a classé sans suite une affaire qui concernait les comptes de campagne du président de la République. Et évidemment, il a été décrit dans la presse qu'il a été décoré parce qu'il aurait classé sans suite cette enquête. Bon, je pense que c'est un raccourci qui est un peu raccourci, hein, pour ainsi dire. Néanmoins, est-ce que vous pensez que les décorations sont si utiles que ça pour les magistrats ? Est-ce que ce n'est pas de nature aussi à se dire, bon, il y a peut-être des échanges qui peuvent être mal interprétés, on va dire ça comme ça, pour rester dans l'euphémisme, entre l'exécutif et l'autorité judiciaire telle qu'elle est considérée aujourd'hui ? Ça, c'est surtout une question d'image, effectivement, plus qu'autre chose, comme dans l'affaire du procureur de Lyon. Ça n'a évidemment aucun lien, puisque ne serait-ce que le temps d'instruire la demande pour lui accorder telle médaille, ça ne pouvait avoir évidemment aucun lien avec la décision qu'il a prise 15 jours avant. Mais le rapprochement des dates est fâcheux. Et vous pensez que le fait d'être décoré par l'exécutif, même de manière décorrélée dans le temps, c'est une nature à remettre en cause une forme d'indépendance ou de créer une dépendance vis-à-vis de l'exécutif, une sorte de pensée conforme, tout comme les passages en administration centrale, en cabinet, etc. Pas vraiment, mais c'est pas non plus quelque chose qui est absolument indispensable, les décorations, mais c'est pas non plus une marque de dépendance. Petite question aussi sur l'inspection. L'inspection générale de la justice et le lien avec le Conseil supérieur de la magistrature, le disciplinaire, le fait que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas s'auto-saisir pour rendre des avis, que l'inspection générale de la justice ne peut pas non plus s'auto-saisir en matière disciplinaire, quand je sais pas, il y a une affaire médiatique qui sort sur tel ou tel magistrat qui aurait commis des manquements déontologiques. Est-ce que vous êtes pour faire évoluer aussi l'inspection générale de la justice, son fonctionnement, tout comme le CSM? Alors, sur ce point, il y a plusieurs choses. Sur le fait d'émettre des avis spontanés, ça, c'est une prérogative qui devrait être donnée au CSM et qui a été retirée au CSM lors de la précédente réforme constitutionnelle, de 2008. Hein. Bon, ça, franchement, là, c'est très fâcheux que le CSM ne puisse pas se saisir de questions relatives à l'indépendance et d'émettre un avis sur telle ou telle situation qui lui paraît problématique. En ce qui concerne l'inspection, il y a effectivement de gros progrès à faire. De gros progrès, notamment pour ce qu'on appelle l'enquête administrative. En ce qui concerne l'enquête administrative, c'est une phase prédisciplinaire, avant la procédure disciplinaire. Aucun texte ne régit l'enquête administrative et c'est la méthodologie arrêtée par l'inspecteur général qui va permettre de conduire la procédure. Ça, c'est absolument intolérable, c'est insuffisant. Il y a encore moins d'une dizaine d'années, le magistrat qui était visé par une enquête administrative n'avait absolument aucun droit. Il n'avait pas accès au dossier, il n'avait pas le droit d'être assisté et il avait simplement le droit de répondre aux questions qui lui étaient posées.
Il y a eu une jurisprudence alors, du Conseil d'État, puis du CSM, qui ont dit, le CSM en particulier, a écarté une enquête administrative en indiquant que les conditions dans lesquelles l'enquête administrative avait été, s'était déroulée, le fait que la personne qui était dans un état de précarité particulière due à son état de santé et ne bénéficiant pas d'assistance, eh bien, les auditions faites par l'inspection ne pouvaient pas avoir le moindre crédit et ces pièces devaient être écartées. À la suite de ça, l'inspection a modifié un petit peu sa méthodologie en permettant l'assistance. Alors, dans un premier temps, en cas de situation de précarité de l'intéressé, apprécié au cas par cas, nous disait-on. Et puis, la législation a changé en 2016 en introduisant la possibilité de l'avertissement pour les chefs de cour à l'égard des magistrats, avec une procédure qui est prévue par la loi. Et la procédure prévoit que le magistrat peut se faire assister par notamment un délégué syndical ou un avocat, et que celui-ci a accès au dossier et peut défendre l'intéressé. Du coup, l'inspection a modifié encore la méthodologie en disant que le magistrat qui est visé par une enquête administrative peut être assisté par un représentant syndical ou un avocat, mais cette assistance, ça s'entend simplement d'assistance à l'audition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir, on ne peut pas poser de questions, on n'a pas accès au dossier et on ne peut pas demander d'investigation complémentaire. Ça, ce n'est pas de l'assistance au sens où on l'entend en procédure pénale comme l'avocat qui assiste à un mis en examen devant un juge d'instruction. Nous réclamons une modification de l'enquête administrative sur ce point-là. Et actuellement, donc, l'inspection est donc un service qui dépend exclusivement du garde des Sceaux. Elle ne fait que remettre son dossier au garde des Sceaux et notamment ne le remet pas au magistrat visé lorsqu'il n'y a pas de poursuite disciplinaire. Il faudrait que l'inspection soit rattachée en fait au CSM et qu'elle puisse être saisie par le CSM et ne soit pas uniquement un organe au service du garde des Sceaux. Merci. J'ai une dernière question avant de passer la parole au rapporteur Didier Paris et puis aux collègues dans la salle. Question un peu d'ordre général, mais qui est importante pour nous. Est-ce que vous avez eu en connaissance, dans le cadre de votre mandat syndical ou de vos prérogatives professionnelles, de manquements directs ou indirects à l'indépendance de la justice ? À titre personnel, puisqu'en réalité, vous posez cette question dans ce sens-là, jamais. Alors moi, je n'ai été que magistrat du siège. Et je n'ai jamais ni été victime, ni été témoin de pression d'un membre du pouvoir exécutif ou législatif. Jamais. Ou d'un collègue ou de la hiérarchie. Jamais. Alors, en ce qui me concerne, j'ai, au cours de ma carrière, été à la fois magistrat du parquet et magistrat du siège. Je dois dire que donc depuis 2013, où la loi interdit les instructions individuelles du garde des Sceaux à l'égard des parquets, que les affaires que j'ai eu à connaître d'une manière ou d'une autre ont toujours respecté à la lettre cette disposition législative. J'ai même connu une fois un procureur de la République qui demandait des instructions. Et que le ministre de la Justice avait répondu « Je n'ai pas à vous donner d'instruction. En gros, faites ce qui vous semble le plus adapté à l'affaire. » Donc ça c'est quelque chose de fondamental qui est très important. C'est quelque chose qui est intervenu donc par la loi de 2013 et l'image que ça donne dans le public est, j'allais dire, entachée par le statut du parquet.
Parce que, comme l'a indiqué Mme Milesi tout à l'heure, le statut du parquet qui met la nomination des procureurs de la République et la discipline des procureurs de la République dans les mains du pouvoir exécutif, eh bien, nuit évidemment à l'image d'indépendance qu'on peut avoir, en tout cas l'indépendance qu'on peut voir concrètement dans des affaires individuelles, où je vous le dis, je peux garantir, moi, que depuis 2013, il n'y a pas eu d'instruction dans des dossiers individuels. En tout cas, pas à ma connaissance. Et je vous dis, j'ai des éléments qui permettent de dire que sur des affaires données, il n'y a pas eu ces instructions. Et à titre syndical, vous avez des remontées de certains de vos collègues ou qui vous demandent, qui vous sollicitent, peut-être parfois pour des médiations entre eux-mêmes et leur hiérarchie, quand elle est trop pressante sur une affaire, pour accélérer le rythme, ralentir le rythme, faire tel ou tel acte d'enquête Non. Nous n'avons jamais eu de remontée de cet ordre-là, de collègues qui se plaindraient d'atteinte à l'indépendance. Après, il y a d'autres difficultés qu'on pourra évoquer, que vous évoquiez un peu dans votre questionnaire sur, par exemple, le fait que la police judiciaire soit dépendante du ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, vous connaissez bien, vous, monsieur le Président. On pourra en reparler si nous en avons le temps, soit dans ce cadre, soit dans un autre cadre. Allez-y, parce que quand je parlais des manquements à l'indépendance, ça peut être effectivement vis-à-vis de l'exécutif, mais l'exécutif s'entend pas juste garde des Sceaux et administration centrale, direction d'administration centrale, c'est bien aussi exécutif côté ministère de l'Intérieur, c'est aussi l'exécutif, rappelons-le. Voilà, donc je vous le dis, le ministre de la Justice, moi, ne donne pas d'instructions dans les dossiers individuels. Il y a aussi une question sur laquelle on pourra revenir, sur les remontées d'informations qui existent. Et par ailleurs, eh bien, les officiers de police judiciaire qui dépendent du ministère de l'Intérieur rendent compte de ce qu'ils font au ministère de l'Intérieur, même si ça se passe dans le cadre d'une instruction dirigée par un juge d'instruction. C'est la parole au rapporteur Didier Paris. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques questions rapides, parce que le temps passe assez vite. Je pense que vous pourrez répondre, et je crois que vous l'avez montré tout à l'heure, vous avez déjà les capacités de réponse aux multiples questions qui vous ont été posées et dont vos réponses seront transmises à l'ensemble des membres de la Commission pour voir comment on peut les intégrer dans notre réflexion collective, évidemment. Mais peut-être pour réagir à vos propos à tous les deux. Je n'ai pas bien compris. Vous souhaitez que le CSM ait un pouvoir de proposition ou un pouvoir d'avis conforme ? Parce que l'un ne me paraît pas conforme à l'autre. Oui, comme pour les magistrats du siège, en fait. Pour les chefs, un pouvoir de proposition, donc les chefs, pour résumer, les procureurs de la République et les procureurs généraux. Voilà. Et puis, pour les autres magistrats... Donc ça signifie d'étendre le dispositif actuel pour les chefs de juridiction à l'ensemble des magistrats. Et donc, que devient l'avis conforme dans ces cas-là ? Pour les autres magistrats du parquet, ceux qui ne sont ni procureurs ni procureurs généraux, les vice-procureurs, procureurs adjoints, substituts, qui représentent quand même la masse des magistrats du parquet, on ne peut pas demander au CSM, au moins avec les moyens qui sont les siens, de procéder aux nominations de ces magistrats-là. Donc pour eux, nous demandons un avis conforme. Je n'avais pas exactement compris cette formulation-là. Deuxième élément, ayant des souvenirs très précis de la loi, des conditions de vote de la loi du 23 mars 2019 dernier, on a commencé par une étude profonde et longue de l'étude d'impact. Pourquoi avez-vous dit qu'il n'y avait pas d'étude d'impact ? Je n'ai pas compris. Dans de multiples réformes, je n'ai pas dit toutes les réformes, il y a beaucoup de réformes qui concernent la justice qui passent sans étude d'impact réelle. Oui. Vous avez des exemples, non ? Pardon ? Ce que nous déplorons, c'est souvent le manque de sérieux de l'étude d'impact. Et là-dessus, nous ne sommes pas les seuls, parce que la Cour des comptes aussi, dans son rapport sur la méthodologie, sur les coûts de la justice, qui est un rapport qui a été publié en janvier 2019, je crois, ou décembre 2018,
faisait le même constat. J'en ai un exemple à l'esprit. L'étude d'impact sur la loi de programmation prévoit en matière d'application des peines, donc les dispositions qui vont entrer en vigueur au mois de mars, là, bientôt, eh bien, l'étude d'impact nous dit on peut envisager l'économie d'une douzaine de postes de juges d'application des peines. On ne voit pas du tout comment on peut arriver à ce chiffre-là. Ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 15, ça aurait pu être 20, ça aurait pu être 30. C'est pas une étude sérieuse. Donc ce n'est pas l'absence d'études, mais c'est la contestation sur le fond des éléments de l'étude, ce qui est tout à fait légitime et propre à votre syndicat particulièrement. Troisième question, un peu toujours en réagissant à vos propos. Je n'avais pas entendu dans le cadre de la discussion sur la loi de programmation que votre syndicat s'est exprimé en faveur de la fermeture des juridictions. J'avais même cru l'inverse parce qu'il y avait un débat général qui poussait la ministre à prendre une position très claire sur il n'y aura pas de fermeture de juridiction. Est-ce que si ce genre de fermeture pouvait arriver, dans le cadre du respect de l'indépendance de la justice qui en serait les critères les plus évidents, vous avez parlé de pertinence, mais ça signifie quoi la pertinence dans l'esprit de votre syndicat ? Toujours au regard de la préoccupation de notre commission sur l'indépendance judiciaire. Lorsqu'une juridiction ne peut pas avoir l'effectif suffisant pour rendre des décisions dans un délai qui est raisonnable, parce que l'effectif à supposer qu'il soit au complet soit de 6 ou 7 magistrats, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient absents pour telle ou telle raison, que les postes soient vacants, et la juridiction ne peut plus fonctionner. Donc soit on renforce les juridictions pour qu'il y ait des effectifs suffisants pour que ça fonctionne, soit on estime que le volume d'affaires à traiter n'est pas suffisant, mais à ce moment-là, on ferme la juridiction. Alors ça, c'est une position que l'USM a toujours défendue. Il est vrai qu'en ce qui concerne les débats sur la loi de programmation, l'idée de la ministre était de dire on ne ferme aucun site. Nous, on a toujours dit que s'il faut fermer des sites, parce que nous, on n'est pas là pour défendre telle ou telle juridiction. Si une juridiction n'est pas en état de fonctionner parce qu'elle n'a pas les effectifs suffisants et qu'on ne peut pas lui donner les effectifs suffisants au regard de l'activité, eh bien, il vaut mieux transférer son activité à la juridiction voisine. C'est une position constante de l'USM par rapport à ce qu'on appelle cette taille efficiente de la juridiction. Merci. Toute dernière question. On a des règles plus ou moins précise d'ailleurs sur la mobilité des magistrats, mobilité fonctionnelle, mobilité géographique. On a aussi des règles sur l'intégration dans le corps judiciaire de personnes qui n'ont pas suivi un cursus ENM, s'agissant d'avocats ou d'autres, de juristes, ainsi de suite. Est-ce que s'agissant de ces personnes intégrées à un moment ou un autre de leur carrière, est-ce qu'il vous semble qu'elles présentent les mêmes garanties d'indépendance que des magistrats qui ont suivi un cursus classique ENM ? Si oui, dont acte. Sinon, pour quelles raisons ? Et le cas échéant, quel type de disposition pourrait être prise pour modifier cette situation de fait ? Alors, s'agissant de la formation, puisqu'en réalité, c'est un petit peu... S'agissant de l'intégration directe dans le corps judiciaire de magistrats qui sont par exemple d'anciens avocats, est-ce qu'à vos yeux, les systèmes de report ou les systèmes d'indépendance par rapport à leurs anciennes fonctions et ainsi de suite, est-ce que les précautions sont suffisantes en la matière ou est-ce qu'il faudrait, selon vous, prévoir des règles plus précises pour limiter un peu le lien entre leurs anciennes fonctions et les nouvelles, par exemple? J'essaie pas d'induire vos réponses. Moi. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. On va voir. Est-ce que vous parlez des règles d'incompatibilité? Puisqu'effectivement, selon l'ancienne carrière, par exemple un avocat, quelqu'un qui a été avocat, ne peut pas être nommé dans la juridiction. Ça, c'est géographique, mais il n'y a pas que des difficultés géographiques. Il y a des difficultés fonctionnelles, des difficultés d'approche de métier s'agissant de l'intégration. Est-ce qu'actuellement, ma question est simple, est-ce qu'actuellement
les règles qui prévalent à l'intégration des magistrats venant de l'extérieur vous paraissent suffisantes en matière de garantie d'indépendance ou pas? Si vous n'avez pas une réflexion particulière, ce n'est pas un souci. Le cas échéant, vous nous faites une note complémentaire sur ce thème. C'est pas grave. Non, mais je suis pas sûr de comprendre. Donc... L'intégration, qui est un mode effectivement de recrutement, hein, puisqu'il y a l'intégration et les concours, pour simplifier. L'intégration se fait à l'issue donc d'une procédure qui est, j'allais dire, pilotée par la commission d'avancement, qui d'abord étudie les dossiers des personnes concernées, qui les entend, et qui évidemment a à l'esprit ces problèmes d'indépendance éventuelle. Et puis ensuite, il y a une décision du CSM qui intervient. Et nous avons eu des exemples où le CSM pouvait émettre un avis non conforme parce qu'il estimait que les conditions d'indépendance n'étaient pas suffisamment garanties. Merci, je vais laisser la parole pour les questions aux collègues. J'ai vu le collègue Antoine Savignac qui s'est manifesté. Je ne sais pas si les autres vont poser des questions, mais je lui cède la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, merci. Nous sommes une commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'ai bien écouté ce que vous nous disiez et vous exposiez, appelé de vos voeux, que le mode de désignation des parquetiers soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus hermétique et que le pouvoir exécutif n'exerce aucun rôle dans cette désignation. Dans le même temps, vous nous exposiez ne jamais avoir eu à connaître d'instruction ou de tentative d'immixtion du pouvoir exécutif dans l'exercice de ces magistrats. Vous nous donniez même un exemple inverse, à savoir un magistrat qui avait demandé des instructions et à qui on avait dit « mais non, on ne peut pas vous donner des instructions ». Donc, ça ne peut que semer le doute dans nos esprits. Votre prédécesseur tout à l'heure disait qu'on vit dans une société du complot. Il est évident que si cette commission a été créée, c'est que la question se pose. Vous nous dites « ça n'existe pas ». Mais il faudrait faire quelque chose contre ça. C'est le paradoxe que j'aimerais bien que vous puissiez préciser, sur lequel je vous remercie de bien vouloir nous éclairer. Et deuxième chose, finalement, si on en vient à la solution que vous préconisez, qui est peut-être la meilleure, même si on s'aperçoit qu'en ce moment ça fonctionne bien, quel rôle pour le politique ? Comment le politique pourra-t-il mener la politique pénale, et le gouvernement, la politique pénale qu'il entend mener, puisque ça reste quand même l'une de ses missions premières dans l'exercice du mandat qui lui est confié? Alors, votre question appelle, j'allais dire, une double réponse, en fait. La première réponse, c'est que... Il suffit de voir les accusations qui sont portées par les uns et par les autres dès qu'il y a une affaire un peu médiatique qui est menée pour dire que le parquet est à la solde du pouvoir. Même si nous ne cessons de dire qu'il n'y a pas d'instruction individuelle, il n'empêche que si on prend par exemple l'affaire Balkany qui est actuellement... d'actualité, eh bien, on a dit que le parquet, qui était un féodé au pouvoir, menait un procès politique. Certains peuvent dire ça, c'est parce que, précisément, les conditions de nomination et de discipline du parquet ne garantissent pas l'indépendance du parquet. Et ça donne une image qui, certes, ne correspond pas à la réalité, mais une image qui est très défavorable au parquet, et cette image-là, eh bien, elle est importante. Elle est importante parce que il est vrai que la nomination et la discipline des magistrats du parquet est entre les mains, et entièrement entre les mains, du pouvoir exécutif. Deuxième question, est-ce qu'il est légitime que le pouvoir politique ait
entre les mains la nomination des procureurs et des procureurs généraux et de tous les magistrats du parquet. Alors à ce moment-là, on n'est plus là pour parler d'indépendance de la justice, mais de dépendance du parquet. Et est-ce que la dépendance du parquet est quelque chose de légitime pour permettre au gouvernement de mettre en place la politique pénale dont il doit répondre devant le Parlement ? Eh bien, nous, à l'USM, nous estimons que le gouvernement doit pouvoir mener une politique pénale sans avoir la main mise sur la nomination des procureurs de la République et des procureurs généraux. Pour cela, le ministre de la Justice dispose du pouvoir de prendre des circulaires qui s'appliquerait au magistrat du parquet, même s'il est nommé par le CSM, parce que le statut du parquet peut faire en sorte que le magistrat du parquet doit exécuter les dispositions qui sont prévues par circulaire, qu'il puisse rendre compte de son activité, et que s'il ne le faisait pas, eh bien que ça puisse constituer une faute disciplinaire. Chaque magistrat, qu'il soit du parquet ou du siège, doit respecter la loi. Et l'indépendance de la justice, ce n'est pas faire n'importe quoi et faire simplement, par rapport à son propre état d'esprit ou ses propres convictions, de prendre une décision. Si un magistrat du siège estime qu'une loi n'est pas la plus adaptée, eh bien il l'applique quand même. Il n'a pas le choix. Parce que la volonté populaire, c'est la démocratie, la volonté populaire fait qu'il y a une loi, et bien la loi, elle s'applique, qu'elle plaise aux magistrats ou pas. Eh bien, s'il y avait des instructions du garde des Sceaux à l'égard des magistrats du parquet, même s'ils n'avaient pas été nommés par le pouvoir exécutif, eh bien, on pourrait demander au procureur de la République d'appliquer cette politique pénale. Merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière question de collègue, parce qu'il est déjà 17h10, et il faudra qu'on vous libère et qu'on commence l'audition suivante. Je vois Olivier Marleix qui voulait poser une question, et Sébastien Nadeau après. Essayez de faire rapidement. Pardon, je vous cède la parole. Votre réponse, que les éléments que vous évoquez, là, sont les éléments de la loi. On n'a pas de doute sur le fait que des magistrats du siège vont appliquer la loi. Encore que, d'ailleurs, il y a eu sur l'application des peines planchers, par exemple, on a vu des comportements extrêmement différents d'un tribunal à un autre. Mais clairement, c'est le rôle qui reste entre les mains de l'exécutif, entre les mains du ministre de la Justice. C'est quoi élaborer une politique pénale pour le gouvernement aujourd'hui? C'est vraiment une question que je pose de manière extrêmement ouverte. Appliquer la loi, c'est ce qui est entre les mains du législateur, c'est pas entre les mains du gouvernement. Donc qu'est-ce qui reste? Et quand on lit les circulaires de politique pénale faites par les différents gardes des Sceaux lorsqu'ils entrent en fonction, on a quand même le sentiment que c'est un gentil exercice de... On est juste dans l'air du temps, hein. Vous courrez après les méchants, vous poursuivrez les terroristes, vous, avec juste éventuellement, le seul intérêt, c'est que ça donne une petite indication sur les priorités du moment. Voilà, ça va pas plus loin. Deuxième toute petite question, très très rapide, est-ce qu'il existe aujourd'hui des dispositifs internes à la disposition des magistrats d'alerte, si je puis dire, en cas de tentative du pouvoir exécutif, hein, d'orienter le cours d'une enquête, qu'il s'agisse d'une enquête préliminaire ou d'une instruction. La loi Sapin 2 a créé un dispositif de lanceur d'alerte qui s'applique dans l'administration et qui s'applique dans les entreprises. Est-ce qu'il y a des plateformes, du ministère de l'Intérieur par exemple, IGPN, est-ce qu'il existe des dispositifs équivalent d'alerte au sein du ministère de la Justice? Alors, en ce qui concerne l'exercice de la politique pénale par le garde des Sceaux, je suis un peu surpris moi, par votre question, parce que ça peut être le pouvoir, voire même le devoir du ministre de fixer des priorités et de dire que la lutte contre le terrorisme est une priorité, eh bien, c'est pas rien quand même. Ou de dire que les violences au sein de la famille sont une priorité, c'est pas rien non plus. Et c'est une orientation de politique pénale que les magistrats du parquet doivent appliquer. En ce qui concerne l'autre volet de votre question, je dirais que le principal dispositif, c'est nous, les syndicats de magistrats, car je vous disais tout à l'heure que nous
grosso modo, il y a un quart des magistrats qui sont adhérents chez nous, eh bien, s'il y avait des atteintes à l'indépendance parce qu'on leur demandait telle ou telle chose qui soit contraire à ce qu'ils estiment devoir faire, eh bien, nous aurions inévitablement des remontées. Je peux vous dire que nous avons des contacts très fréquents avec nos adhérents, ne serait-ce que par des listes de discussion. Tous ont nos adresses mail. Le téléphone aussi fonctionne beaucoup au bureau de l'USM, je peux vous le garantir. Et que ce principal canal ne manquerait pas d'être utilisé. Je vois pas évidemment comment, au sein du ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur, on pourrait leur demander de mettre en place un système d'alerte contre leur propre pression, j'allais dire. Merci, je laisse la parole au collègue Sébastien Nadeau pour la dernière intervention. Merci. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris, évoquait ici les possibles connivences, les jeux de réseaux locaux, particulièrement dans les tribunaux de commerce, prud'homme et les plus petits de province. Et ça rejoint un questionnement du citoyen lambda, parce que toute la question de l'indépendance de la justice ne se situe pas que à Paris, bien évidemment. Et donc je voudrais savoir un petit peu comment vous, en tant que syndicat et représentant d'un certain nombre de magistrats, vous abordez cette problématique bien réelle. Alors, en ce qui nous concerne, donc... Nous n'avons aucun adhérent qui soit juge dans un tribunal de commerce ou dans un conseil de prud'hommes. Nous ne sommes un syndicat de magistrats de l'ordre judiciaire professionnel, puisque dans les tribunaux de commerce, comme vous le savez, les juges sont élus par leurs pairs, les commerçants, et dans les conseils de prud'hommes, ce sont des représentants d'employeurs ou de salariés. Alors, vu de mon point de vue en tant qu'organisation syndicale de magistrats, nous n'avons pas de commentaire à faire sur l'indépendance ou l'indépendance de ces juridictions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu, à l'occasion du coup de la réforme de la carte judiciaire qui avait été baptisée réforme la carte judiciaire d'Ati, beaucoup de suppressions de petits tribunaux de commerce. Peut-être avec le sentiment que vous évoquiez. Mais là, nous n'avons pas de remontée particulière, car pour le coup, nous n'avons pas... Je parlais beaucoup des contacts tout à l'heure que nous avons avec les collègues. Nous n'avons pas de contact avec les tribunaux de commerce ou les CPH. Bien, merci Madame la Secrétaire nationale, Monsieur le Secrétaire général d'avoir répondu à nos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous transmettre tous les documents écrits qui vous semblent utiles pour nos travaux et nos réflexions. Et je vous remercie une nouvelle fois. Merci.